Ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. J'avais lu des histoires, j'avais hébergé des voyageurs. Chaque fois, je me disais, ah, mais c'est génial, il faudrait que je fasse ça. Mais jamais je franchissais le cap. J'étais trop confortablement installé dans ma routine. Et un jour, j'ai hébergé Ada. C'est une fille qui terminait un tour d'Amérique du Sud à vélo pendant 2 ans. Là, j'ai vu à quel point elle était épanouie, heureuse, à quel point elle était en accord avec elle-même. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ok, c'est bon, je pars aussi. De partir seul à vélo sans aucune expérience dans le domaine, je pense qu'on s'attend à avoir une montagne de problèmes et on s'imagine même le pire. Du coup, je pense qu'on a envie de partir en ayant pensé à toutes les éventualités, en emmenant avec nous tout ce qu'il faut pour parer à tous les problèmes. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Je suis parti avec un vélo qui faisait plus de 50 kilos. Ma hantise particulièrement, c'est d'avoir des problèmes mécaniques. Et du coup, j'ai vraiment voulu emmener toutes les pièces de rechange possibles et imaginables pour parer à tous les problèmes. Bon, évidemment, je me suis vite rendu compte que ça servait à rien. En fait, le premier et le plus gros problème que j'ai eu, c'est de casser la patte de mon dérailleur. Après 2,5 km de piste qui en fait 50, donc super. Je reviens jamais en arrière, donc je vais en avant. Évidemment, c'était la pièce que j'avais pas pensé à emmener avec moi. Heureusement, quand on voyage à vélo, on découvre vite qu'aucun problème n'est insurmontable. Il existe toujours une solution à tout et les difficultés rencontrées font partie intégrante du voyage. En fait, ça sert à rien de vouloir tout planifier. Il suffit de se jeter à l'eau et de se laisser porter par l'aventure. Et c'est ça qui fait que l'aventure est réussie. Et voilà, un petit aller-retour à Araguaiana en bus, en laissant mon vélo à l'hôtel et j'ai pu trouver la pièce cassée. Donc c'est parti, on va pouvoir réparer tout ça. J'ai quand même demandé conseil à des cyclistes qui avaient l'expérience du voyage à vélo parce que moi j'en avais vraiment aucune. Et le conseil le plus utile que j'ai eu, d'ailleurs je le dois à Ada, c'est d'emporter avec moi des colliers métalliques, ceux qu'on utilise en plomberie. Ça se sert comme ça et ça assure un excellent maintien. Et j'ai utilisé bien des fois dans mon voyage pour réparer des parties de mon vélo. Notamment en plein milieu du Salar, quand mon support avait cassé, je l'ai réparé avec ça et la réparation tient encore aujourd'hui 12 000 km plus loin. Pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver de but à mon voyage. Ça m'a freiné pendant pas mal de temps.
Quand on a posé la question au célèbre alpiniste George Mallory, pourquoi est-ce qu'il partait à l'ascension des montagnes, il avait tout simplement répondu, parce qu'elles sont là. Du coup, je me suis dit que pour mon voyage à travers l'Amérique du Sud, la réponse, ça pouvait être la même. Parce qu'elle est là. Et en fait, j'ai découvert que ça servait à rien d'avoir une raison pour partir. Le vrai but de son voyage, chacun le trouve sur sa route. J'ai choisi de rejoindre Ushuaïa en terre de feu. En partant de Kourou en Guyane française. Pourquoi Ushuaïa? Parce qu'il n'y avait rien plus au sud. Et pourquoi Kourou? Parce que j'y habitais. Je ne me suis pas imposé d'itinéraire précis et ça a été très bien comme ça. J'ai avancé au fur et à mesure des conseils qu'on me donnait, des envies que j'avais. Je me suis quand même focalisé sur la cordillère des Andes parce que après 6 ans de forêt amazonienne, la montagne me manquait quand même vraiment beaucoup. Partir à vélo pendant un an, seul et sans expérience, la décision n'est pas facile à prendre. Hein. On se met vite 1000 freins dans la tête. Genre ça va être dur, ça va être dangereux, on va avoir des problèmes mécaniques insurmontables, on parle pas la langue. Je me souviens que la nuit avant de partir, j'étais tellement anxieux, j'avais quasiment pas dormi. Et puis on prend la route, on roule à son rythme, on fait des rencontres. Très rapidement, toutes les barrières tombent. Je me souviens qu'à l'époque, avant de partir, alors que je flippais à mort à l'idée de prendre la route, un ami m'avait dit « Tu sais, les difficultés, les problèmes que tu vas rencontrer, ça va faire partie intégrante de ton voyage. Et t'as tout ton temps pour trouver des solutions, t'as des comptes à rendre à personne. » Je crois que ça m'avait drôlement rassuré. Effectivement, quand on admet que toutes les éventualités font partie du voyage, on est beaucoup plus serein sur la route. Et très rapidement, on pense plus à ça et on est juste émerveillé par les paysages qu'on rencontre et les personnes qu'on croise sur sa route. Je suis à sec de flotte depuis un moment, je meurs de soif. Et heureusement, la petite rivière qui fait du bien. Ça, c'est cool. Lors des bivouacs, le point critique est toujours l'accès à l'eau. Donc on va toujours chercher à passer la nuit à côté d'un point d'eau, une rivière, un lac, un robinet. Même si elle n'est pas potable. Dans ces cas-là, il suffit de la faire bouillir ou d'utiliser une bouteille filtrante. Bon, cela dit, en Amérique du Sud, il n'est pas toujours possible de trouver un point d'eau dans les coins les plus arides. À ce moment-là, il faut prévoir une réserve, minimum 1,5 litre, de quoi cuisiner, boire et repartir le lendemain jusqu'au prochain point d'eau. En Argentine, il y a une légende qui raconte l'histoire de la Deolinda Correa. C'est une Argentine du 19e siècle. Son mari ayant été enrôlé dans l'armée pour se battre dans les guerres civiles qui faisaient rage à l'époque en Argentine, elle avait décidé de le suivre à travers le désert en emmenant son nouveau-né. Quand ses réserves d'eau ont été épuisées, elle s'est assise au pied d'un arbre avec son nouveau-né au sein. Quand elle a été retrouvée, elle était morte. Mais son nouveau-né vivait encore. Enfin, la légende raconte que son nouveau-né a même survécu.
Depuis, la Deolinda Correa est vénérée comme une sainte en Argentine. Des hôtels ont été érigés en sa mémoire au bord des routes, d'abord par les muletiers, puis par les camionneurs. Et ces hôtels sont régulièrement alimentés en bouteilles d'eau par les Argentins soucieux d'épancher la soif de la défunte. Et il m'arrivait régulièrement de voir ces petits hôtels entourés d'une centaine de bouteilles remplies d'eau. J'ai jamais vraiment su si les bouteilles d'eau étaient là pour elle ou pour les voyageurs en manque d'eau. Mais en tout cas, ces bouteilles m'ont plusieurs fois sauvé la mise quand j'étais en rade de flotte. J'aimais beaucoup l'idée de faire d'un coin de nature mon chez-moi pendant une soirée et une nuit et de repartir le lendemain sur cette trace. Dès que j'en avais la possibilité, je faisais un feu de camp, histoire de cuisiner, de me réchauffer quand je commençais à être en altitude. Et tout simplement de savourer l'instant. Je me souviens de ce bivouac avec Laura et Pierre, un couple de Français que j'avais rencontré sur la Carretera Austral. Je t'ai fait la bonne longueur, non ? Ben oui, s'il te plaît, ouais. Voilà, voyager avec un professeur des écoles maternelles, ben, ça classe. Ça trie. Voilà. Les petits avec les petits, les moyens avec les moyens, et les grands avec les grands. On avait fait un super feu. C'était le premier d'ailleurs pour mes amis depuis le début de leur voyage. Et pour moi, le meilleur bivouac que j'ai pu faire. J'ai quelquefois dormi en camping aussi, une fois sur cinq. Mais dans les deux tiers des cas, mes nuits m'ont rien coûté. Parfois, je m'acquittais en rendant des services, en aidant dans des travaux, en peignant ou en cuisinant dans les auberges. C'est pour moi des moments importants qui me permettaient de rendre un peu la générosité qui me tombait dessus en permanence. Les autres, on vit vraiment des expériences uniques qui aboutissent souvent à d'excellentes surprises. Sur la frontière entre la Bolivie et le Chili, j'avais demandé à une garnison militaire où est-ce que je pouvais planter ma tente pour être à peu près abrité du vent.
On était quand même à 4000 mètres d'altitude. Et en fait, les soldats, ils m'ont simplement laissé dormir dans la garnison, dans un local inoccupé. Et en plus d'être protégé du vent, qui était déjà super, une heure plus tard, ils m'ont apporté un matelas et une soupe bien chaude. Et pour moi, c'était clairement le meilleur bivouac que j'ai pu faire. Voyager en totale autonomie, c'est vraiment le meilleur moyen de dormir dans des endroits toujours différents et plus géniaux les uns que les autres. Parfois difficilement atteignable en voiture, parfois presque inaccessible à pied, mais dans une nature toujours incroyable qui invite à profiter de ses bienfaits et à rencontrer ses nouveaux voisins. En dormant comme ça, à même la nature, dans un dénouement le plus total, ou parfois dans un confort relatif bien qu'inespéré, j'ai eu l'impression que mes besoins évoluaient. Là où avant je me souciais d'avoir une connexion Wi-Fi, là je me souciais de trouver un point d'eau. Ou quand avant je recherchais un bon lit, là j'étais super content de trouver un terrain plat pour ma tente. Et si avant je pouvais hésiter pendant des heures entre deux restaurants, là je sautais de joie devant ce que pouvait m'offrir la route. Et puis en fait, plus on possède, plus on accumule et plus le vélo s'alourdit. Donc en fait, la sobriété et le dénuement, non seulement on l'accepte, mais on finit par le rechercher. Et très rapidement, le peu qu'on a et le peu qu'on trouve, ça devient exactement ce qu'on a besoin. Et on se sent exactement à sa place et on arrive à se focaliser sur l'essentiel. Bien sûr, je disposais de tout ce qu'il fallait pour cuisiner. J'avais un réchaud à essence. Ça, c'est vraiment très pratique parce qu'on peut le remplir dans n'importe quelle station essence. Pas besoin d'essayer de trouver des bouteilles de gaz. J'avais une petite casserole et une poêle. Bon, la même poêle toute pourrie depuis le début. C'est vraiment délicieux de pouvoir faire sa petite popote tous les soirs après une grosse journée de vélo. J'aimais bien diversifier les repas, je rencontrais des voyageurs avec qui je partageais des recettes, j'arrivais à bien manger tous les soirs. Ça me rappelle un passage entre le Chili et l'Argentine. Alors, le Chili a toujours été très tatillon sur l'entrée des denrées alimentaires. Tout ce qui est frais, légumes, fruits, ail, tout ça, c'est interdit à la douane quand on passe la frontière. Et un jour que je voulais traverser une fois de plus la frontière de l'Argentine vers le Chili... Vous êtes sûr que je peux pas passer là? Parce que j'ai vraiment besoin de mes légumes, quoi. Je comprends, mais c'est la règle. Les légumes crus sont interdits à l'entrée au Chili. Ah, mais ça veut dire que les légumes cuits peuvent rentrer? Oui, tout à fait. S'ils sont cuits, les légumes sont autorisés. Mais c'est parfait ça, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour les cuire. Où est-ce que je peux m'installer? Ah non, mais les légumes doivent être cuits avant de rentrer au Chili.
C'est pas possible. Ah ok, non mais pas de souci. Et du coup, je vais retourner en Argentine, là, c'est juste de l'autre côté du pont, à 200 mètres. Ah mais non, vous avez déjà tamponné le passeport, là, je peux pas vous laisser ressortir comme ça. Bon, ok, ok, allez, d'accord, bon, je vais sur le pont, c'est bon. Je suis pas ressorti en Argentine et je suis pas encore au Chili. C'est bon, là, pour y cuire mes légumes? Eh, je pense que ça devrait être possible, ouais. Bon, du coup, je suis allé sur le pont pour cuire mes légumes avec mon réchaud. Voilà, c'est cuit. Faites-moi voir ça. Ouais, c'est cuit, ouais. Ok, vous pouvez passer. Merci, bonne journée. Comme ça où tout se met progressivement en place petit à petit. On commence la journée par pédaler seul dans le vent, puis on rencontre des amis, on trouve un hébergement avec un poêle. Alors au milieu de la Patagonie, dans un gîte au milieu de nulle part, chez un cher monsieur qui nous accueille. Le papa, si, el dueño, claro, y el, claro, es que salió. On a un four, il s'avère qu'on a du beurre, un œuf, du chocolat, de la farine et du sucre. Et du sucre. Et, oui. Et du coup, on va faire des cookies. Il y a un autre truc derrière. Du coup, il était sur le petit plateau. Bah, celle-là, elle est trop grosse. Ça va être pas des cookies. Ah non, ah, pas ami. Et on passe un moment incroyable qui n'a pas de prix. Et en tout cas pour moi, le meilleur bivouac que j'ai pu faire. Des rencontres, j'en ai fait un paquet, hein, et c'était à chaque fois l'occasion d'une bienveillance à mon égard. On se prend une quantité de bienveillance dans la gueule quand on voyage. Moi, personnellement, ça m'a perturbé, et de par ma culture et mon vécu, j'étais pas du tout habitué à ça. Et plus les habitats sont ruraux et clairsemés, et plus grande est la bienveillance. La Transchaco au Paraguay a pour moi été une étape magique à cet égard. Sur cette route rectiligne de 835 km qui relie la capitale du Paraguay, Asunción, à la Bolivie, les quelques rares personnes que j'ai pu rencontrer m'ont tout accueilli chez elles spontanément. Elles m'ont offert de l'eau, une bière, un repas, une discussion, un lit, une chèvre. Adiós lo falso querer. Porque no soy un cualquiera, si a mí me vive.
Et je me suis longtemps demandé comment répondre à cette bienveillance. Et en fait, c'est quand j'ai pu moi-même commencer à rendre des services, à dépanner des voyageurs ou à faire des petits travaux, que j'ai compris que la meilleure manière de répondre à cette bienveillance désintéressée, c'est justement de l'accepter pour ce qu'elle est, désintéressée. Quand on s'est rencontrés, Adam m'avait dit que pour qu'un cœur puisse donner, il faut qu'il y ait un cœur qui puisse recevoir. Et cette phrase a pris tout son sens pendant mon voyage. Bon, évidemment, j'ai été rejoint par Ada. Hein. Elle a pu continuer un peu sa propre aventure en m'accompagnant à travers le désert du Jalapão ou encore en Patagonie et sur l'île de Chiloé. Et voilà, quasi 4700 mètres. Le vent commence à souffler assez fort et il commence à faire bien frais. Voilà, je suis à 4900 mètres, un petit peu plus. Il fait très très froid. La nuit, ça descend, je pense, à moins 5. Voire plus, parce que mes gourdes sont systématiquement entièrement gelées. Là, le soleil vient d'apparaître, donc il fait 3 degrés. 2 degrés sur mon GPS. Donc il fait froid encore, mais le soleil fait du bien. Alors cette nuit, thermomètre affiché moins 12. Et ouais, c'était limite, j'avais tous mes vêtements. J'étais au maximum. J'avais un peu froid, j'avais pas très froid, j'avais un peu froid, mais du coup j'ai un peu mal dormi. Toutes ces rencontres humaines, c'était beau, c'était fort, mais en fait c'était rien comparé aux rencontres que j'ai pu faire avec la nature, dans ses aspects les plus merveilleux, les plus impressionnants et parfois les plus terrifiants. Moi, j'ai pédalé plusieurs fois à plus de 5000 mètres d'altitude, en Bolivie, au nord de l'Argentine. Bon, à ce niveau-là, outre le mal des montagnes... L'avantage du voyage à vélo, c'est que l'acclimatation à l'altitude se fait naturellement au fur et à mesure où on grimpe. On grimpe 1000 mètres de dénivelé, on dort, on regrimpe 1000 mètres de dénivelé, on dort. Donc, pas de soucis niveau altitude. Non, mon pire ennemi dans ces hauteurs-là, c'est le vent. Le vent qui est vraiment terrible. Et bon, faut bien le dire aussi, le manque de souffle, hein, parce qu'à ces altitudes-là, on n'a plus la même pêche. Dans le Tocantins et le nord-est du Brésil, c'était les orages qui étaient quasiment quotidiens. Toutes les fins d'après-midi, ils déclenchaient avec plus ou moins de violence. Celui-là, on va se le prendre. Celui-là, on va se le prendre, ça c'est clair. Et ben, ça va faire du bien. Dans la province de Mendoza, au centre de l'Argentine, c'est carrément une pluie grêle qui m'est tombée dessus au milieu de rien du tout. Pas un abri, pas un endroit où se protéger, rien, pas un arbre. Je me souviens que les grêlons ont commencé à atteindre la taille de balles de ping-pong. Je viens d'essuyer
une pluie de grêlons comme ça sur ma gueule. Et là, je peux dire que j'étais content d'avoir mon casque. J'ai jeté mon vélo au sol, j'ai commencé à courir dans tous les sens pour essayer de trouver un abri. Mais quand les grêlons ont commencé à me frapper douloureusement sur le dos, sur les cuisses, sur les mains, je me suis mis en position fœtale en attendant que ça passe. C'est la première fois que je me suis senti complètement à la merci de la nature, sans aucune autre possibilité que d'attendre et de voir dans quel état elle allait me laisser. Pendant que j'étais en position fœtale, je me suis posé tout un tas de questions. Quelle était la taille maximale que pouvaient atteindre les grêlons? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas dans le monde d'accidents dus à la grêle? Est-ce qu'il y a eu des accidents mortels déjà? Est-ce que quelqu'un est déjà mort de la grêle? Puis il y a eu la nuit passée à Villa Santa Lucia sur la Carretera Austral avec Adam. Il pleuvait presque en continu depuis 3 jours quand on est arrivé à Villa Santa Lucia. Dans ce village, comme pratiquement dans tous les villages sur cette route, on trouve un camping tenu par une famille qui nous accueille et on s'installe. Villa Santa Lucia, c'est un village qui est au fond d'une vallée bordée de montagnes abruptes et enneigées. Mais en fait, ça, on ne le voit pas parce que le village est plongé dans la brume. Et il pleut en continu. Le lendemain matin, malgré la pluie qui n'a pas cessé de tomber toute la nuit, on reprend notre route et on monte vers l'Argentine. Tres personas fallecidas. Ce n'est que quelques jours plus tard que nous avons appris ce qui s'est passé le lendemain même de notre départ. Este aluvión que ha arrasado durante la mañana de hoy, sábado 16 de diciembre de 2017. Comme mon itinéraire me faisait repasser par le même village un mois plus tard, j'ai constaté de mes yeux les dégâts. Voilà la montagne qui s'est effondrée sur Santa Lucia. Et j'ai pu me renseigner auprès du centre de secours et apprendre que la famille qui nous avait accueillis faisait partie des 22 disparus. Si le vélo a été mon activité principale pendant un an, j'ai pas non plus voulu en faire mon activité exclusive. Comme j'avais l'Amérique du Sud comme terrain de jeu pendant un an, j'ai pas voulu négliger la montagne dont je suis amoureux. Et j'ai donc choisi de rouler au plus près de la Cordillère des Andes. J'avais emporté avec moi mon matériel d'escalade. Mon idée c'était d'aller à la rencontre des grimpeurs que je croisais sur ma route pour partager quelques cordées. C'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance de Mateus, dans l'état de Bahia, où j'ai pu passer quelques jours avec lui et sa famille dans son chalet à Sitio Rio Grande. Toujours dans l'état de Bahia, j'ai eu l'occasion de grimper avec la communauté des grimpeurs d'Igatu. C'était dans la Chapada Diamantina, où on grimpe entre cascades et anciens sites miniers dans une ambiance super décontractée. Par la suite, j'ai continué à grimper un peu partout où j'en avais l'occasion dans la Cordillère des Andes, notamment à Socaire, un site que j'ai trouvé par hasard. D'ailleurs, là, j'ai rencontré 3 Chiliens super sympas, Marcelo, Diego et Sébastien, que j'ai retrouvés à Santiago plus tard, avec qui j'ai pu continuer à grimper.
J'ai aussi eu la visite d'un ami de Guyane qui m'a retrouvé une semaine et avec qui on a grimpé dans les alentours de San Juan. Et puis j'ai fait un crochet par Piedra Parada. C'était pas exactement sur ma route, mais j'avais vraiment envie de visiter cet endroit. Vraiment la Mecque de l'escalade en Amérique du Sud, je pense. Un endroit incroyable. Ouh. Yes! And here we are. Third belay. Ouh. Ok. Aujourd'hui, on est là avec Aaron sur El Sexto Elemento, la mythique 4 longueurs 6A+, 6B, 6B+, 6C+, de la Piedra Parada. Et la Piedra Parada, c'est ce qu'il y a derrière moi là. Allez, 6C+. 6C+, what do you say? What do you say? 6B. Oh yeah. The Piedra Parada. Il y avait vraiment des grimpeurs de tous les horizons. Et Aaron, avec qui j'ai fait le El Sexto Elemento, j'ai retrouvé par la suite avec sa copine Marie à El Chalten, un autre haut lieu de l'escalade et de l'alpinisme. Et là, on a pu faire l'ascension de El Cerro Solo en alpinisme, dans des conditions incroyables. Here is what we just climbed. No, I'm joking. We came this side. El Chalten est un endroit vraiment spécial en Argentine, du fait de sa position en face du Fitzroy. Le massif du Fitzroy fait la frontière avec le Campo del Hielo. C'est un énorme champ de glace qui constitue la troisième réserve d'eau douce après l'Antarctique et le Groenland. C'est un endroit tellement difficile d'accès qu'aujourd'hui encore, la frontière entre le Chili et l'Argentine à cet endroit-là est contestée, tant elle est difficile à définir. J'y suis arrivé par le nord, donc par la Carretera Austral. Longue de 1250 km et inaugurée en 1986, cette route est aussi appelée le Sentier Général Pinochet, du nom du dictateur tristement célèbre qui en a été effectivement l'instigateur. Elle relie le reste du Chili au sud et elle constitue l'unique voie d'accès. Avant, le sud était uniquement desservi par voie maritime. La Carretera Austral s'arrête à Villa O'Higgins, qui est un cul-de-sac. Presque en fait, parce qu'il existe une seule possibilité de continuer vers le sud pour arriver à El Chalten, c'est en fait de traverser le lac O'Higgins. D'emprunter les 20 km du fabuleux sentier de forêt entre le Chili et l'Argentine, de traverser la frontière et finalement de passer le Lago del Desierto pour arriver à El Chalten.
Bref, un itinéraire qui est réservé qu'aux piétons et cyclistes. Et quand j'ai emprunté ce sentier avec mon vélo de 50 kg, j'ai pas été déçu. C'était vraiment excellent. Voilà, cette partie du trajet, c'est un petit peu faire du VTT en Guyane, mais avec un vélo de 50 kg. Par Patagonie, toute la partie méridionale de l'Amérique du Sud que l'Argentine partage avec le Chili. La Patagonie est habitée depuis plus de 10 000 ans par les Amérindiens Mapuche. Et cette communauté, aujourd'hui encore, se bat régulièrement contre l'attribution de ses terres à des grands groupes industriels. Comme d'ailleurs ça s'est produit en juillet 2017 dans la province de Chubut. Elle est souvent rejointe par des activistes venus de tous les horizons comme Santiago Maldonado, un jeune Argentin qu'on a vu à cet endroit-là. Mais qui disparut mystérieusement suite à la répression organisée par la gendarmerie nationale. Un avis de recherche fut lancé et sa photo apparut dans tout le pays. Mais très rapidement, l'idée s'imposa que Santiago Maldonado avait été victime d'une sanglante répression organisée par la police. Et on fit de lui le martyr de cette répression policière et de son image une icône placardée dans tous les murs de la ville. Look de vagabond, cheveux en bataille, regard serein, grosse barbe sauvage. Bref, exactement mon portrait à ce moment-là. Et plus je m'approchais du lieu de sa disparition, plus il devenait célèbre et plus on me confondait avec lui. Les gens se retournaient sur mon passage, m'appelaient par son nom. J'ai même eu la visite un soir de la gendarmerie alors que j'avais planté ma tente sur les abords d'un parking. En fait, une famille avec qui j'avais discuté peu auparavant m'avait pris pour lui et avait tout simplement contacté les autorités. Finalement, le corps de Santiago Maldonado fut retrouvé dans le lit d'une rivière. Bon, une enquête fut ouverte, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Au fur et à mesure de mon voyage, j'ai senti s'opérer un changement dans le fonctionnement de mon cerveau. Je me mettais de plus en plus à m'émerveiller de tout, des petits détails comme des paysages majestueux. J'ai fini par comprendre que le fait de se lever le matin, sans savoir où on va dormir le soir, le fait d'évoluer en permanence dans un environnement inconnu, ça modifiait la perception qu'on avait de son environnement. On se sent un peu comme un enfant qui s'émerveille de tout. Et on accorde de l'importance à des choses qui seraient passées inaperçues si on était resté dans sa routine ou dans son cercle de confort. Cette modification dans le fonctionnement de mon cerveau a aussi eu pour conséquence de dilater le temps. Quel bonheur d'avoir eu l'impression de voyager pendant 7 ans en 12 mois, alors que le temps passe si vite quand on est dans sa routine. Et cette dilatation du temps s'est ressentie aussi dans le fait de voyager à vitesse humaine. Quand on voyage à vélo, on ressent progressivement le changement de climat, d'altitude, d'ambiance et de paysage. Et non pas brusquement comme en sortant d'un avion après quelques heures d'un voyage imperceptible. Ce rythme, ça permet l'appréciation lente des choses. C'est vraiment à l'antipode de la recherche de satisfaction immédiate qui peut être encouragée par la société dans laquelle on vit. Cette expérience a été une révélation à bien des égards. J'ai pu découvrir la beauté du monde qui nous entoure, prendre conscience de la bienveillance qui habite chacun de nous, l'importance des détails et la finesse du temps qui passe. J'ai pu repousser mes limites physiques, mais aussi mentales. À vélo, en gros, on enfile des pénibles montées, suivies d'agréables descentes.
C'est grosso modo ce qui nous attend en termes d'efforts. Et si au début de mon voyage, j'avais tendance à gâcher mes descentes en pensant aux pénibles montées qui allaient suivre, à la fin de mon voyage, j'étais plutôt à être super content dans les montées parce que je savais qu'il y avait des descentes qui allaient suivre derrière. Avec le recul, je pense que ça finit par affecter toute sa vie. Pour ma part, avant de voyager, j'étais plutôt pessimiste. Maintenant, je pense que j'arrive à me réjouir même dans les moments difficiles, sachant que ça va forcément aller mieux. Puis j'ai fait des rencontres d'une richesse que je soupçonnais pas. Et puis, il y a eu cette rencontre-là, qui m'a encore un peu plus apporté que les autres. Tout ce temps passé avec lui, ah, ça m'a permis d'apprendre à mieux le connaître et de l'apprécier davantage. Ah, ok, oui. Ah, il parle de moi, ouais. Ouais, c'est vrai, voyager seul, c'est voyager avec le monde entier, mais voyager seul, c'est surtout voyager avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous.